Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va voir comment obtenir rapidement le skin de ce dragon. Et regardez, même sur mon compte j'ai déjà tous ces petits skins à récupérer, dont le bones noir, le squelette noir qui est juste incroyable. Mais surtout j'ai mon dernier top 1 à faire avant de pouvoir récupérer ce petit skin de ce dragon. Franchement j'ai eu très très rapidement. Après, quand je dis très très rapidement les gars, bien sûr je suis honnête avec vous, je n'ai pas de technique pour l'obtenir en 2 minutes, voilà. Ça c'est pas possible même si vous lâchez 500 balles dans le jeu. Mais je vais vous parler de tout ça pendant que je fais le dernier top 1. Et après on se fera un pack opening pour tenter de choper la tornade twister dans cette roue qui coûte 1000 gemmes. C'est super cher les gars. Allez on lance, là si je fais top 1 je chope le skin de ce dragon. Oh là là, bloc dash légendaire, c'est quand même le meilleur mode de jeu de StumbleGuys. D'ailleurs je sais pas si vous l'avez remarqué, mais normalement on a step up niveau qualité des vidéos. J'ai vraiment amélioré certains paramètres et du coup normalement ça devrait être beaucoup mieux. N'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu votre feedback. Si de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne les 100 000. Oh là là, bon j'ai quand même équipé mon petit skin Block Dasher, hein, mon skin préféré. Il est aussi très très aimé par vous, mais moi je le trouve incroyable ce skin. Oh là là, je le kiffe. Oui, il faut que je fasse absolument top 1 pour choper un total de 200 médailles et comme ça on l'obtient directement. Parce que si je fais top 2 ou top 3, je vais pas pouvoir l'avoir en une seule partie. Donc aujourd'hui je vais vraiment tout donner. Oh là là, StumbleGuys, ça fait trop plaisir. D'ailleurs j'ai une petite nouvelle à vous dire. J'ai fait récemment un feat avec un tout nouveau youtubeur qui est en train peut-être d'arriver un petit peu dans le game de Stumble. On va voir un petit peu en fonction de ses envies. Mais c'est BFA, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment un ancien de YouTube, ça fait longtemps, il fait des vidéos de super qualité. Et on s'est fait une petite battle de pack opening sur sa chaîne. C'était vraiment marrant et peut-être il passera sur cette chaîne aussi une fois. Même s'il est déjà venu une fois discrètement pendant le cache-cache des youtubeurs, c'était vraiment cool. Oh let's go, je suis qualifié. Et donc bah c'est possible que dans le futur peut-être on fera de temps en temps des vidéos ensemble. En tout cas là je suis très très bien parti pour le top 1. On a encore un total de 16 joueurs à éliminer, mais ça devrait le faire. Fait voir, il y a quoi comme skin? Il y a le Nialbeast, il y a le skin américain avec son jetpack. Wouah! Il est parti alors loin là avec son jetpack. Dommage que là j'ai pas le jetpack de ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne secondaire sur Roblox. En fait pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai joué à une copie de StumbleGuys qui est du coup sur Roblox. Et en fait je pouvais acheter plein d'émotes, bien sûr avec de l'argent hein, j'ai de nouveau j'ai de nouveau lâché de la thune. Et il y avait plein d'émotes totalement what the fuck, c'était super drôle à jouer. Et justement il y avait un jetpack. Je vous mets un petit extrait rapidement. Ah mais ok. Donc voilà c'est c'était vraiment n'importe quoi comme vous le voyez. Et puis il y avait plein d'autres émotes. Vraiment c'est marrant hein. Sur ma chaîne secondaire franchement je me fais kiffer. Mais bien sûr ici aussi hein. Mais on reste là sur StumbleGuys vraiment. Ok on va essayer d'envoyer un punch. Oh là là je me suis raté. Il faut vraiment pas que je meure hein, parce que là c'est le top 1 ou rien. Et du coup je vais vous parler un petit peu d'une technique pour choper plus rapidement le Dusk Dragon. Après c'est une technique, je sais pas si je l'ai déjà dit une fois sur ma chaîne, c'est possible mais peut-être plutôt à l'ancienne. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez pas le recevoir. Ok. Vous allez pas le recevoir. Comment je suis parti autant haut? Let's go. Je suis qualifié pour la finale, let's go. Oh là là, il nous reste à affronter le skin de la Barbie. J'ai vu qu'il y avait aussi la petite sirène que je n'ai pas malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. Franchement, on a plein de skins spéciaux. Il y a aussi Bolt. Oh là là, il y a le squelettal dragon. Le bordel quoi. Et oui, du coup, ma technique que je vais vous révéler. Et vraiment, elle est pas mal secrète. Hein. Franchement, je connais pas beaucoup de gens qui utilisent ça. Mais d'un côté, en vrai, elle est peu utilisée parce que ça coûte un petit peu des gemmes. Pas très cher, mais ça en coûte un petit peu. Voilà, si vous êtes blindé, c'est une technique qui va vous permettre de farmer plus rapidement vos médailles, que ça soit dans ce mode de jeu ou un autre. Je vous explique la technique, mais bon il faut qu'on fasse top 1 par contre. Faut pas que je parle trop et que je sois pas concentré. Mais la technique en fait c'est soit vous faites des top 1, mais ça vous prend en moyenne entre 5 et 6 minutes pour faire un top 1. Et oui j'ai chronométré. Et il faut faire le top 1 en plus hein, parce que ça c'est pas garanti. Alors que si vous lancez une partie et que vous foncez directement dès le début dans les lasers, vous recevez un total de 50 médailles. Alors que je vous le rappelle, un top 1 c'est 200 médailles. Donc 4 fois plus, mais ça dure 5-6 minutes. Alors que si vous lancez une partie et vous allez dans les lasers, ça vous prend 20 secondes même pas. Mais vous payez 20 gemmes à chaque fois. Donc voilà, c'est un petit peu avoir l'équilibre que vous souhaitez. Si vous avez des gemmes en trop, vous allez clairement plus rapidement avec cette technique. Moi perso, vu que je suis un gros pigeon, je l'ai utilisé un petit peu, je vous avoue. Après, on a quand même pas mal joué en live ensemble dessus. Ça m'a permis de farmer un petit peu ça en jouant ensemble en plus. C'était cool. Allez, j'envoie le punch. Let's go. Bolt. La Bolt, il est foutu.
Oh, il doit avoir le seum là. Il doit avoir le seum, Bolt. Allez, le deuxième. Hop là. Let's go. Let's go, je vais gagner, je crois. Je vais gagner. Allez. Oh, allez, allez, allez. Oh, wow. Non, il est pas mort. Let's go. Le top 1 va choper le skin de ce dragon. Je suis trop content parce que là, j'allais mourir. Hein. Vraiment, j'allais mourir. Il me fallait le top 1. Et on va choper ce skin et on va rapidement le tester contre les abonnés. Je le trouve bien sûr sur mon serveur Discord. Le lien est en description, les gars. Oh là là, 200 médailles qui arrivent dans l'inventaire. On récupère et en plus, on a aussi le skin squelette noir qui est ultra stylé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout le Dusk Dragon. Let's go! Allez, on va directement aller voir ce nouveau skin mythique. Attendez, d'abord, on va doucement. On va doucement. D'abord, le squelette noir qui est ultra beau aussi. Ah, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, il a de nouveau les yeux en violet, c'est un petit peu la couleur de la chaîne en plus. Mais bon, nous on veut du skin mythique de ce dragon, il est trop stylé. Regardez-moi ça comparé au Inferno Dragon, ça a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, il est tellement plus beau celui-là. Allez, on joue rapidement contre les abonnés et après on se fait quelques spins de ces trousses spéciales super chères. J'ai lancé un petit laser du coup avec mon skin de ce dragon et je crois qu'en plus je suis le seul à l'avoir. Oh là 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 là, attendez, on va le regarder et lui donner directement une note. Mais franchement, il est super stylé. Oh, je lui donne largement son 9,5 sur 10, il le mérite. Non, il est vraiment très très beau, hein. Pourtant j'étais pas non plus autant fan que ça quand je l'ai découvert. Mais c'est vrai qu'en game ça donne autre chose, hein. Il est vraiment beau. On va essayer d'envoyer 2-3 petits punchs. Oh là là, ça s'envoie des émotes. Ça s'envoie des émotes. Par exemple là, oh le petit Diamond Demon. Hop, non. Non, je suis déjà éliminé. Oh là là. Ah, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. On va faire notre petite roue spéciale pour terminer la vidéo. On va faire, je pense, 3 spins. Oh là là, allez c'est parti, franchement je veux le Golden Sensei ou alors le Skin Twister. En vrai Golden Sensei je le trouve vraiment beau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, skin spécial au moins, pas du légendaire hein, parce que 1000 gemmes. Oh c'est cher. Twister, non, mais non. Parce que ouais là je suis un peu ruiné parce que du coup sur la vidéo Battle Pack Opening contre BFR, on a dépensé 20 000 gemmes chacun sur ces trous hein, c'est énorme. Mais bon, allez, on croise les doigts, j'ai encore un total de 2 spins. Comme d'habitude les gars, le like, l'abonnement, le petit commentaire. Vous oubliez pas de me dire surtout est-ce que la qualité est devenue meilleure. Et on part directement pour le second spin. Allez la roue spéciale, c'est maintenant qu'il faut donner quelque chose. C'est maintenant parce que 1000 gemmes. Allez s'il vous plaît le Twister. Non, il me refait la même chose qu'avant. Sauf qu'il me donne Monsieur Invisible. Non, c'est nul. En plus c'est du doublon, j'ai le seum. Allez, le dernier spin, c'est maintenant. Je regarde pas, je ne regarde pas les gars. Allez, allez Stumble Guys, c'est maintenant. C'est maintenant. Je vais ouvrir les yeux dans 3, dans 2, dans 1. Non, non, non. Pack opening catastrophique aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les BG. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.